regarder ce que j'ai trouvé dedans. Ouais, c'est super bien ce papier. Enfin, ça date, hein. Quoi, t'es marqué dessus? Yo, mais Lascar, si vous voulez vous la donner, trouvez le Minitel de la bibliothèque scolaire, allumez-le et rentrez le code suivant. 3615 Wells. Quoi, un Minitel? Je crois que c'est le truc, les radars véhicules, un peu comme un ordinateur. Tu comprends? Ouais. Je sais pas, mais enfin bon, si c'est dans Vitine, c'est pas pour être pris quand même. Bon, on vote? On vote. Qui est pour? Je crois que t'as perdu. Hein. T'as la dynamique. Pourquoi je traîne toujours avec vous? Bon, vous savez comment ça marche? Je crois qu'il faut appuyer là. Ouais, bah, essaye. Comment on allume? T'as un vieux? Ça fait peur! Vous êtes sûr qu'on voulait faire quand même? Parce qu'on a contrôlé l'ennemi, je veux dire, ça va se mettre. On a voté et t'as perdu. Ah, oh, ok. 36. Okay. Allez, 36, 15. Wes, avec deux items. Appuie sur un truc. Pas rien. Bon, les gars, ça vibre. Ouais? Ouais. Alors, en vrai, t'as raison. Chers élèves, nous sommes donc en cours de mécanique industrielle. Sur des tables, j'ai disposé certains documents sur lesquels vous allez pouvoir reproduire sur le papier directement devant vous certains éléments. Je compte sur vous pour crayonner bien sûr le plus correctement, le plus fidèlement possible. Utilisez la gomme avec parcimonie, sinon vous allez faire quelque chose qui n'est pas propre. Donc je vous demande de faire ça correctement et proprement, s'il vous plaît, avec rigueur. Pardonnez-moi, monsieur. Oui. Pouvez-vous m'accorder votre aide sur mon dessin? Oui. Quelques interrogations. Très certainement. J'arrive. Alors, voyons voir. Les gars, on a voyagé dans le temps. Oh non. On est en quelle année? Je sais pas. Il y a la date. 1931. Oh, mon arrière-grand-père. Oh, c'est quand même intéressant qu'un Minitel puisse nous faire voyager dans le temps. C'est trop bien. Par contre, on va faire comment pour le contrôle? Vas-y, arrête ton contrôle. Mais mes parents vont me tuer. C'est si fort. Je crois qu'il nous a... Oh, merde. Il a un retard. Il y a quelque chose. C'est bien compris pour tout le monde? La chaîne d'énergie, la chaîne d'information domotique. Bien, et bien maintenant c'est à vous de jouer les garçons. Intelligence artificielle. Bonjour, je m'appelle Julia 8.0 et je suis votre intelligence artificielle. Élève de la table numéro 3, avez-vous bien compris et seriez-vous capable de nous donner un exemple? Je dois faire quoi? Téléchargement terminé à 97%. La conclusion de la séquence sur la lecture d'oscillogramme et grandeur caractéristique des signaux électriques. Préparation du téléchargement des algorithmes binaires quantiques. Merci Julia. Programme la fin du téléchargement pour 17h. Et noté. Rappel, réunion d'harmonisation des implants cérébraux à 17h15 le 17 octobre 2048. Qu'est-ce que je fais pas sans toi? Ah mais, il parle à qui? J'en sais rien, autant il est au téléphone. Hein. Non mais attendez, vous avez vu les films qui tombent? Ah puis regardez, ils doivent télécharger les cours dans le crâne des élèves. Ouais, et t'as vu, c'est Nia qui gère son agenda. Ah ouais, ça c'est trop bien, genre. Enfin, vous comprenez? Plus de devoirs. Plus d'éval non plus. Ah c'est bien ça. Ouais, en fait c'est plutôt de l'école que vous êtes en train de parler là. Ça, t'as raison, ouais, c'était quand même mieux avant. Ouais, bon, on ferait mieux de rentrer... J'ai pas envie qu'on me découpe le crâne ou quoi que ce soit. Ouais, moi je suis ok. D'ailleurs, ça, ouais, ça allez, on rentre. Dans les métiers, égalité. Dans les ateliers, égalité. Dans les métiers, égalité. Dans les ateliers, si plus pour tous. Ah, tu vois, j'aurais cru que des gamines puissent vouloir faire le travail d'un mec. C'est un peu dur. Hein. Qu'est-ce qui te ferait croire qu'ils soient moins capables que Marc ou François? Puis au passage, une munitionnette pendant la seconde guerre, elles nous ont bien servi. Hein. Ouais, ah, n'empêche que s'il faut porter une barre d'acier, il faudra bien qu'elle demande à ceux qui ont des muscles. C'est toi qui s'est fait battre au bras de fer il y a deux semaines là par Françoise? Siegfried pour toutes! Siegfried pour toutes! Siegfried pour toutes! Qu'est-ce qui se passe?
On en a marre, on ne peut pas être des femmes au foyer. Suivez-moi, je vais vous faire montrer l'atelier. Enfin, il y a plein, est-ce qu'on pourrait parler au proviseur après? Oui, pas de soucis, suivez-moi. Peut-être que l'année prochaine on pourra étudier ensemble. Bah j'espère aussi. Faudrait que je propose à nos profs de faire un club féministe si on rentre. Bah ouais carrément, ça pourrait être cool non? Ouais, les gars pourraient rejoindre. Non. Ah. Non je déconne, bien sûr vous pouvez venir. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Ah ça vibre. Oh merde. C'est quelle salle celle-là? Putain mais hé, regarde. Ah ouais, c'est Monsieur Sivet. Mais en plus jeune. Ouais, ça veut dire qu'on est proche de cette époque alors. Trop bien, on pourrait lui laisser un mot, genre pour qu'il nous fasse des meilleures notes. Ouais, t'as raison, faut qu'on trouve son casier après. Je sais pas si c'est possible. Mais si, vas-y. Ah, comme ça t'as une bonne note à ton contrôle. Ouais, non. Là, vous avez donc des systèmes de production d'énergie électrique. Donc une éolienne, un panneau photovoltaïque. Donc ce sont des systèmes qui utilisent donc les énergies éoliennes et solaires pour fabriquer de l'énergie électrique. Donc on pense qu'à terme, ces systèmes-là vont détrôner les systèmes classiques actuels qui fabriquent de l'énergie à partir, donc de l'énergie électrique à partir d'énergie fossile, donc à partir du gaz, du charbon et du pétrole, qui sont des énergies donc carbonées et donc fortement émettrices de CO2, ce qui est un souci par rapport au réchauffement climatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une production d'énergie électrique carbonée à une production d'énergie électrique non décarbonée ou non carbonée, donc à partir d'énergie renouvelable. Ça éviterait d'être dépendant des pays producteurs de pétrole. Tout à fait. On a vu ça, monsieur, et le nucléaire, est-ce que c'est une énergie renouvelable? Alors le nucléaire, ce n'est pas une énergie renouvelable. Quand même, il clique bien, monsieur, s'il veut bien. Ouais, peut-être, mais il sac sur les notes. Ouais, mais vous imaginez, il peut voir beaucoup d'élèves genre dans sa carrière, je sais pas, 569, Enzo, Diego Lucas, c'est sûr. Ouais, peut-être qu'on rentre là, il dit là. Ouais, ça devient grave là. Et avec un peu de chance, on peut encore être à l'œuvre pour le contrôle. Tu es focus sur ton contrôle. Quoi? C'est important les notes. Ça y est. C'est bon, on est autour? Bah ouais, faut voir, tiens, regarde, il y a les origamis de Madame Denis. Ah oui. Ouais, mais on est là. Regarde, papy, il a changé. Vous êtes les nouveaux héritiers. À vous de perpétuer l'héritage des Skrill. Bon bah. On parle de sa personne, hein. T'inquiète. Ouais, non, t'inquiète. Oui, non. Bon, excuse-moi. J'ai vu que t'allais déposer le livre. Ouais. Est-ce que tu l'as lu? Ouais. Franchement, Rana, il est bien ou pas? Ouais, franchement, trop bien. Ok, lourd de fou. The Time Machine. Ah, je kiffe tout ce qui est retour vers le futur en plus, c'est incroyable. T'as kiffé? Ouais. C'est éclaté.